Et bien bonjour à tous les amis, c'est le Jumper. J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi c'est Tony Kelkalédine aujourd'hui. Les amis, est-ce que vous êtes prêts à vous rafraîchir avec cette vidéo? Car oui, aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour créer un nouveau parc aquatique. Bon, oui, je sais, on voit pas beaucoup parce qu'il y a une énorme bannière avec marqué « Choisis ton parc aquatique ». Et bien les amis, on est parti pour découvrir ce nouveau Tycoon. Parce que oui, ça faisait en plus très longtemps qu'on n'avait pas fait de Tycoon. Et comme vous le savez, j'adore à la fois les Tycoon et les simulateurs, mais aussi également les parties camping. Et on est parti. Ok. Oh, waouh, il y a même une flèche et tout qui nous explique. Ouais, c'est bien sympa ça quand tu veux débuter un petit peu dans les Tycoon. Ok. Donc du coup, on est parti pour commencer la construction, bien sûr, de nos convoyeurs qui, comme d'habitude, vont nous permettre d'obtenir énormément de cash, mais surtout, bien entendu, d'obtenir de l'argent pour pouvoir construire, bien sûr, ce parc aquatique, parce que c'est un petit peu... Ah, bah d'accord, sans faire exprès, j'ai acheté un mur alors que j'aurais préféré économiser pour améliorer d'abord les droppers, hein, on est d'accord. Du coup, donc comment que ça fonctionne? En fait, je vends des cubes bleus. D'accord, pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire, hein, pourquoi pas, après tout, c'est des cubes bleus qui brillent, voilà, hein, c'est comment t'appelles ça déjà? C'est des saphirs, voilà, c'est des saphirs, ok, donc, alors, est-ce que je peux voir en haut à droite? J'ai tout simplement mon cash. D'ailleurs, c'est moi où j'en ai plus du tout, en fait, c'est où qu'on le récolte? Oh, en fait, c'est là-bas, les amis, regardez, en fait, fallait prendre l'espèce de tapis, voilà, ah, c'est mieux, le tapis comme dans les aéroports, ok, donc voilà, donc maintenant, on a un peu plus de cash, on va pouvoir justement acheter le Power Dropper, oh, ah oui, d'accord, ça va donner un saphir de plus, très bien, oui, comme d'habitude. Alors ensuite, est-ce que je peux récolter de l'argent en plus ou pas? Yes, regardez, on n'est pas loin de 130, oh, ça monte quand même assez vite, ouais, on va quand même améliorer un petit peu le dropper. Oh, celui-ci ne met pas des caries bleus, mais des caries blancs. D'accord, ok, oui, c'est carrément des diamants et tout, tu vois. Ok, ensuite, on va acheter le méga dropper à 650, d'accord. Alors, attendez, là, j'ai combien? Ah oui, j'ai 30, c'est marqué en haut à droite, c'est vrai, exactement. Voilà, c'est bon, les amis, regardez, j'ai maintenant pas loin de 31 000 $. Oui, assez, ça fait beaucoup quand même, c'est parce que ça fait un moment que j'attends. Et regardez comment ça monte extrêmement vite, quoi, c'est génial. On va pouvoir commencer à construire notre parc aquatique. Et regardez, j'avais acheté d'autres petits droppers, bien sûr, toujours en diamant et en saphir. Regardez, je vais maintenant acheter l'upgrader ultime. Et là, qu'est-ce qu'on a là? On a le ultime upgrader encore. Oh, il y a d'autres droppers. Oh, mais c'est génial! Oh là 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 là, bah je vais tout acheter, hein. Moi je prends... Oh bah je prends la totale, hein. Ah là, c'est la totale, hein, histoire de pouvoir gagner encore plus d'argent, ça c'est cool. Regardez, ça y est, maintenant ça commence à monter, du coup on va pouvoir construire le parc. Justement, regardez, j'ai acheté un autre mur sans faire exprès. Alors je me demande ce que c'est ici. Est-ce que c'est le bâtiment où on va pouvoir tout simplement, comment dire, acheter les tickets ou alors... Ah, c'est peut-être l'endroit où il y aura les cabines d'essayage. Ah, au cas où tu as oublié de mettre ton maillot de bain sur toi, oui. Ok, donc là, le mur, très bien. Ensuite, directement le main floor. Oh, waouh! Ah oui, d'accord, on a acheté le sol. Très, très bien. Là, c'est quoi ça? C'est un mur, encore une fois. Ok. Oh, là, on a l'entrée principale, regardez. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est une porte ultra sécurisée. Ah d'accord, ah ouais, ça déconne pas quand même la piscine. Ah ouais, ça déconne zéro ici, hein. Quand t'as pas l'accès, ah ouais, tu finis en poussière à mon avis si tu traverses ce rayon laser. Voilà, donc du coup, ça c'est good. Alors on en est à combien là? On en est à 5 000. Ah c'est pas mal, hein, j'avoue, là, bon, on améliorera les convoyeurs juste après je pense. Parce que bon, ça coûte encore relativement cher. Là on pourra acheter justement l'étage, mais ça coûte quand même 10 000, hein, ce qui est plutôt pas mal. Ça c'est quoi ça? Ah, oh, un aquarium! Fish tank, regardez. Oh, oui, ça c'est de l'aquarium. J'ai un petit truc vachement petit, c'est mais pas du tout. Oh, on peut acheter l'eau. Et bien sûr, les poissons. Ah oui, ça c'est un sacré banc de poissons. Hein. Ouais. Oui, ça s'appelle comme ça, un banc de poissons. Oh, mais c'est tellement stylé. On peut aller dedans ou pas? Je ne pense pas. Ça c'est quoi? Ça c'est... Ah, voilà, les cabines de... pour changer de vêtements et tout. Ah, c'est pour se... C'est pour échanger entre le vêtement et bien sûr le maillot de bain, tu vois. Ok, donc là on est en train de tout construire, voilà le plus important bien sûr, hein, parce que hein, c'est un peu la base, hein, les maillots de bain, tu vois, ok, voilà, là c'est... Oh, les maillots de bain! Attends, on peut vraiment les équiper? What? Ouais, je me suis un peu trompé là, mais non, c'était pas du tout ce que je voulais faire, je voulais voir, je voulais cliquer pour voir si ça fonctionnait, mais oui, on peut effectivement changer de maillot de bain, on peut vraiment tout mettre, hein, d'accord, ok, très bien, non, non, moi je veux prendre un autre maillot de bain, s'il vous plaît, non merci, là, je veux, moi, un truc bien sympa, ça aurait été mieux, attends, on va prendre ça autrement. Hein, voilà, ne me regardez pas, s'il vous plaît. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. J'ai pas fait exprès, j'ai cliqué au pif. Oh, attends. Ok, donc là, on va pouvoir justement terminer les cabines. Allez, 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 vite, plus vite. J'aurais dû acheter le speed. Excusez-moi qu'il y avait une espèce de speed pad. Ok, donc ça, je prends. Ah, voilà, c'est mieux. Regardez. Je peux cliquer. Ah,
Je peux pas le changer, mais non, c'est une blague. Je vais être obligé de reset. Ah, si, c'est bon. Voilà. Ah, il veut pas me donner celui-là, c'est dommage, il est beau celui-là, regardez. Ah, il est beau, c'est dommage. Bon, bah, c'est pas grave, j'aurai le short flashy. Ah, il y en a d'autres. Regarde, voilà. Bon, par contre, c'est moi où j'ai un petit problème de torse. Oh, ça, c'est dommage, ça. Regardez, je sais pas pourquoi j'ai un torse bleu, c'est peut-être un t-shirt de bain. Je ne savais pas que c'était possible, mais apparemment, dans Roblox, tout est possible. Ok, bon, du coup, les amis, je pense qu'il est grand temps, une fois de plus, d'améliorer les convoyeurs. Ça tombe bien, on va avoir assez de sous. Regardez, on est à maintenant 12 000. C'est pas mal. Ah, attendez, je passe, je vais prendre le Ultimate Upgrader. Voilà, et après, ensuite, on pourra acheter celui à 17 000. Ah, ça pourrait être pas mal. Alors là, ça, c'est les fenêtres. Oh, il y a un immense trou là. Ah, c'est peut-être pour l'eau, je pense. C'est pour la piscine là. Je pense. Ça, c'est quoi ça? Le méga upgrader. Oh, bien, je le prends. Allez, on le prend pour le fun. Il est où là? Attends, il est où? Ah, il est là-bas, regardez. Waouh. Ça transforme les blocs en or. Ah, oui, là, je pense que là, au niveau du cash, ça va vachement monter. Hein. Waouh. Le délire. Ah, ça, c'est de la piscine. Oh, ah, ouais, ça monte vachement vite. Oh my god, on est déjà à 13 000. Mais c'est exceptionnel, c'est incroyable. Je peux vous dire qu'on va avoir la meilleure piscine du monde, hein. Le meilleur parc aquatique, hein. Ah oui, c'était 17 000, d'accord, ok, autant pour moi. Ça m'a fait même bugger dans ma phrase. Tellement j'ai vu que ça ne marchait pas, tu vois. Ok, donc là c'est bon, j'ai 20 000. Là c'est bon, on peut le faire les amis, regardez, bam, ça c'est fait. Et voilà, c'est bon, les convoyeurs sont totalement améliorés. Bon, ça c'est, comment dire, un convoyeur, enfin une amélioration pour les convoyeurs x2 au niveau du cash. Bon, c'est un peu pété, hein, on va pas le prendre, hein. Regardez, on a déjà un truc, c'est déjà pas mal. Voilà, donc là c'est bon, on est parti, c'est quoi ça? D'accord, c'est une plateforme, ok. Ah oui, c'est vrai, il y avait le speed. Attendez, je voulais prendre le speed, c'est vrai que ça avait l'air vachement sympa. Regardez, en plus ça coûte que 2000 de cash. Ça va être grave intéressant, donc hop, on le prend. Ah yes, ah bah ouais, c'est déjà mieux. On court quand même deux fois plus vite, ça c'est génial. Alors attendez, je reprends, bam, ça directement. Est-ce qu'on peut acheter des trucs dehors ou pas? God Power, ah oui, ça c'est pour avoir la puissance des dieux. Mais bon, on en a, je vois pas pourquoi on aurait besoin de ça. Ok, donc ça c'est quoi ça? Ah, un water park. Ah, c'est l'entrée. Alors attendez, je vais améliorer tout ce qu'il y a à l'intérieur déjà. Voilà, les petites routes. Ah, on y voit déjà un peu plus clair, ça c'est quoi? Ça c'est l'étage. Ok, je vais acheter les lumières quand même, parce que là on voit que dalle. Yes. Ok, je retourne au niveau. Regardez, du cash. Est-ce qu'on peut acheter un truc dehors ou pas? Ah ouais, non, j'ai pas l'impression qu'on puisse acheter le... Oh, on peut acheter les... On peut acheter d'autres convoyeurs. On peut acheter d'autres convoyeurs. Bon, attendez, je prends l'étage. Ah ouais, attends, si je peux avoir ça, ça serait vraiment génial. Attends, ça c'est quoi? Ah oui, le double cash. Alors par contre, il n'y a pas la meilleure amélioration en haut. Bon, c'est pas très grave, on reviendra après ici. Ça, c'est extrêmement cher. On va continuer déjà à l'amélioration du parc aquatique. La construction, hein, avant de parler d'amélioration. En plus, j'ai même une épée pour me défendre au cas où des visiteurs inconvenus qui ne sont pas bien sûr invités essayent de pénétrer dans mon parc. Alors attention, ça c'est quoi? Ça c'est les murs. Ok, là, oh, la petite herbe, là ça commence à se décorer bien comme il faut. Waouh, mais il y a tellement de trucs. C'est quoi ça? Ah, pool noodle. Ah, c'est des barrières et tout. C'est pourquoi? Attends, c'est des frites. Est-ce que c'est des frites? Je pense que c'est des frites. Ok, what a patch. Ah, tellement stylé. Ok, encore des trucs là, voilà. Alors, est-ce qu'on peut acheter l'eau pour le bassin? Ça serait bien quand même, hein. Ça, c'est quoi? Ça, ça coûte 15 000. Ça, ça coûte 12 000. C'est bon, il y a un truc en or là-bas. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est une piscine. Ah. Oh. C'est un truc. Oh, attends, à 100 Robux. Attends, ça vaut le coup. C'est quoi ce truc-là? C'est un toboggan géant ou quoi? Ça fait quoi? Oh oui, c'est ça, regardez. Oh my god. Ah, par contre, ah oui, non, c'est bon, on peut le prendre. Oh, génial. C'est un plongeoir gigantesque. Mais regardez la hauteur de ce plongeoir. Bon, par contre, il faudra remonter que quand on aura de l'eau, là. Parce que là, là, ça craint, voilà, les petits arbres. Très, très bien. Donc là, c'est un petit peu tout ce qui est décoration. Ok, encore des arbres. Ah, c'est génial. Bon, bah là, je pense que là, on peut retourner au plus vite. Justement, direction, bien sûr, bah, de la banque. Ouais, et regardez, les amis, combien on a récupéré, là, 61 000. Ah ouais, c'est un délire. Alors, je pense que là, on peut améliorer quand même un petit peu le... Les convoyeurs au-dessus là. Ouais, ouais, ça pourrait être sympa. Regardez, on va acheter celui-là. Bam! Voilà, comme ça, on va gagner un petit peu plus d'argent en plus. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je pense que ça va tomber en bas directement là-bas. Allez, bam! Voilà, c'est bon. On est à 40 000, les gens. 40 000. C'est assez ouf. D'ailleurs, j'avais pas fini, je crois, les vestiaires. Chez les dames, chez les demoiselles. Voilà, attendez, on va y aller quand même. Allez. Voilà, c'est bon. Il manquait juste ces petites tenues-là. Voilà, c'est bon. Les tenues. Le ballon de tenue, et du coup, là, nous, on va aller acheter directement
C'est quoi ça, les bordures? Non, je veux la flotte. Je veux l'eau de la piscine, là. Oh, attendez, ça, c'est un stand de burger. Ok, donc là, il y aura toute la bouffe à droite. Oh, attends, on va dans ce slice stand. Ok, alors, c'est où exactement? Poule! 25 000! Yes! Ah! Ah! Oui, il manque effectivement... Oui, il manque... Et ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Oh, waouh! Ah oui, d'accord, excusez-moi, c'est pour... Très bien. C'est pour les plongeoires. Ok! Très, très bien. Par contre, ça aurait été bien d'avoir un autre speed. Est-ce qu'on peut en acheter un autre ou pas? Je regarde un petit peu, j'ai pas l'impression qu'on puisse acheter un autre speed. Ça, c'est dommage parce qu'on va vite, mais j'ai couvert des gens aller encore plus vite. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ça aurait été vachement cool. Du coup, hop, on se dirige directement. Bah, écoutez, on peut passer par là, j'ai envie de dire. Hein. Ça serait quand même beaucoup plus rapide. C'était combien ici? Faire un petit peu le... Parce que je veux l'eau. C'est... Alors... Faire un petit peu... 25 000! Yes! C'est bon, regardez les amis, on a notre première piscine! Oh là là, et la qualité de cette eau! Oh, regarde! Voilà, c'est bon. Je faisais un test, là. Mais je ne peux pas en parler, c'est logique. Mais ça, c'est quoi, ça? Oh! Des cascades d'eau artificielles! Mais c'est génial! Alors, c'est vrai que là, on peut passer par là, c'est quand même plus rapide. On est d'accord, on pourra même avoir un hélicoptère plus tard. Alors, attendez, j'ai combien, là? Yes! 35 000! Je veux la cascade! Je veux la magnifique cascade. Alors après, ce que je ferai, c'est que je vais quand même améliorer à fond les droppers au-dessus. Parce que c'est vrai que ça peut valoir le coup. Oh, regardez. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Bon, il manque un mur. Bon, je crois qu'il manque surtout l'étage. Oh, mais c'est génial. Mais ce parc aquatique, les amis. Oh là là, il va être complètement dingue. Alors attendez, hop. Je récupère un petit peu de cash. Regardez-moi ça, quoi. On gagne quasiment 1000 de dollars toutes les 2 secondes. C'est exceptionnel, franchement. Bon, là, tu me diras, en même temps, on est amélioré à fond. Mais c'est vrai que ça sera encore mieux. T'améliores au maximum l'étage. Attendez, on va aller voir tout de suite. Je crois que c'était 30 000 à peu près pour acheter un autre dropper, mais c'est extrêmement cher. C'est vraiment extrêmement cher. Voilà, on a celui-ci. Ah non, 53 000 là-bas. What? Ah ouais, c'est vachement cher quand même. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, attendez, même, on retourne ici. Vous savez quoi? Je vais farmer un max histoire d'avoir assez d'argent pour améliorer tous les droppers, les amis. Une fois que c'est fait, on va se mettre vraiment très bien. Parce que là, je pense qu'on sera ultra riche. Hein. Là, pour le coup, regardez. Oh, ça va aller tellement vite. Ok, c'est bon, les amis. Regardez, j'ai amélioré tous les convoyeurs. Et regardez comment ça monte extrêmement vite depuis tout à l'heure. C'est un délire. Regardez, je suis pas loin de 400 000. Bon, en même temps, ça fait un petit moment que j'attends quand même. Et regardez, hop, je récolte ça. Et on part à l'étage directement. Regardez, je vous montre ça. Regardez-moi ça, c'est tellement efficace, c'est tellement rapide que du coup on va pouvoir, bah écoutez, maintenant enfin améliorer à fond justement ce parc. Du coup, direction, bon, on prend tout, hein. franchement on prend absolument tout. Alors ça, c'est quoi ça? Ah, c'est un stand de hot dog. Attends, je peux vraiment cliquer? Ah, par contre, il y a personne, donc forcément on ne peut pas me donner de hot dog, c'est logique. Regardez, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les sodas. Ok, bon, il manque encore du personnel, hein, on est d'accord. Alors attendez, est-ce que je peux aller au plus haut là? On va tester notre plongeoir. Oh waouh. Et ça, c'est quoi? Oh, mais c'est génial. Oh, attention, accrochez-vous. What? Oh, c'est... Ah, oh, yep. Mais non, mais c'est toboggan de l'extrême. Mais c'est tellement cool. Ah, c'est ouf. Franchement, c'est vraiment ouf, quoi. Ah, ça, c'en est un autre. Oh, attendez, je vais au plus haut. Ouais, parce que ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu, histoire d'avoir assez de cash. Allez, bam, bam. Allez, bam! Oh là 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 là, on ne l'arrête plus! On ne l'arrête plus! Ok, je vais prendre le rouge. Regardez le rouge. Attention, c'est parti! Oh! C'est tellement cool! Oh, il est tellement stylé, quoi! Ce plongeoir! Ce toboggan de l'infini! Il est exceptionnel. Celui-là, on dirait un petit peu des chiottes. C'est un peu ça. Mais il y a toujours un truc comme ça, en vrai, en plus. Donc, ok! Donc, ensuite, c'est quoi ici? Ah, c'est les décorations. Très bien, très bien. Et là, on va pouvoir acheter, du coup, une autre piscine. Ok, en plus, ce qui est bien, c'est que, du coup, les convoyeurs bossent tout seuls. Hein. Du coup, c'est vrai qu'on va pouvoir revenir après récupérer de l'argent au calme. Ça, c'est quoi, ça? What? Oh, mais cette piscine! Oh, elle est tellement énorme! Alors, par contre, attention, parce que le cash, ça descend quand même vachement vite. Allez, vas-y, je suis un fou. Je prends le plus gros plongeoir. What? C'est quoi, ce super saut? Oh là là! Oh, il y a même les bouées, quoi. Oh, regardez, on est pas bien là? Franchement, avec un petit sirop de grenadine, ha, on se met très bien quand même, on est d'accord. Oh, tellement stylé, quoi. On peut même aller dans les bouées, je ne pensais pas. Tu vois, ça, c'est quoi, ça? Oh! Est-ce que c'est encore un autre super toboggan? Je crois que c'est ça, ouais. Oh, on peut acheter un rainbow water slide. Oh, je le prends direct. Regardez ça,
Faire un petit peu. Oh, what? Mais c'est beaucoup trop stylé. Ah, par contre, ça, j'ai pas assez de sous. Attends, on peut même avoir une bouée. Elle est où, la bouée? Elle est là. Ah, elle est un peu buggée, la bouée. Ok, c'est pas grave. Du coup, j'y vais comme ça. Ah, je peux pas y aller. Ah, il faut la bouée. Oh, non. Mais la bouée, elle est buggée, mon gars. Ok, attends, on essaye. À force de spam, peut-être que elles vont apparaître, non? Ah, on peut pas. Ah, c'est dommage. Ah, c'est totalement buggé. Ah, c'est dommage, parce que ça aurait été trop stylé avec la bouée, là. Tu descends comme ça et hop, boum, tu finis dans l'eau comme ça. Ah ouais, ça aurait été trop stylé. Ça aurait été beaucoup trop stylé. Ah, attends, je crois qu'il y a une personne au-dessus de moi qui a réussi, je crois. Oui, attendez, je vais la pousser. Est-ce qu'elle a réussi à y aller ou pas? Ouais, elle est dedans. Attends, je vais la pousser. Attends, je vais t'aider. Vas-y, attends. Non, pas dedans. Ah, dommage. Elle était bien placée, là, en plus. Elle était bien placée. Attends, est-ce que je peux aller dedans? Ah, voilà, c'est bon. Ah ouais, c'est un peu bugué. Ah, c'est dommage. Si j'en fais spawn une autre par-dessus. Alors, on peut aller dedans, mais ouais, c'est un peu bugué. Ah, c'est dommage, ça. Faut peut-être se pousser, tu vois ce que je veux dire. Si on arriverait à se pousser, c'est vrai que ça serait beaucoup plus facile. Oh, attention, j'y retourne pas. Ok, alors, je vais tester celui-là, voir un petit peu. Wow. Mais ça va beaucoup trop vite. Bon, vous savez quoi? On va retourner directement à l'intérieur. Et bah écoutez, de notre parc aquatique au niveau du bâtiment. Et on va pouvoir, du coup, les amis, je pense, aller récolter le cash qui nous attend. Eh, tu vois, je m'en frotte les mains hein, d'avance. Je m'en frotte les mains. Oh, tiens, du coup, on va fondre. Attends, on peut passer par là. Ah non, j'ai mis des fenêtres. Et on s'est tellement bien nettoyé que j'ai même pas l'impression qu'il y a des vitres, tu vois. Ok, bon, du coup, on va pouvoir récolter. Oh, waouh, 300 000. Vous avez vu, c'est passé vite hein, quand même. Hein. C'est passé vite. Voilà, les petits 300 000 qui vont plaisir. Hein. On va pouvoir acheter, bah, vous savez quoi, bah, tout l'intérieur du bâtiment. Voilà, comme ça. Ça, c'est quoi ça? Et attends, il y a un autre étage. Non, c'est une blague. C'est quoi? C'est une échelle. Est-ce qu'il y a des convoyeurs? Est-ce qu'il y a des convoyeurs? Je crois qu'il n'y a pas de convoyeurs. Ah, il n'y a pas de convoyeurs! Oh non, il n'y a pas de convoyeurs! Par contre, tu peux acheter un toboggan en or à 450 000. Bon, on verra après. On va d'abord finir celui-là. Voilà, les lumières. C'est quoi ici en fait? Ok, c'est un autre endroit. Très bien. Oh, Gearvolt. Ah, c'est pour acheter des équipements. Ah, ok, les ressorts. Très bien. Les ballons. Oh, c'est une bouée, non? Dis-moi que c'est une bouée. Ah, yes! Ouais, enfin bon. Oh, mais c'est vraiment une bouée en plus, ça! Mais c'est génial! Oh, c'est excellent! C'est excellent! Par contre, je peux plus descendre. Ah, je pense qu'il faut que je prenne le ressort. Est-ce que je peux prendre. Dis-moi, je peux prendre le ressort. Dis-moi, je peux prendre le ressort, s'il te plaît. Dis-moi, je veux le ressort! Je veux le ressort! Je suis obligé. Attends, je suis obligé de reset mon perso, mais non! C'est une blague! C'est le monstre du Loch Ness en fait, le truc! Ah, voilà, c'est bon. Ok, bon. Alors, j'ai plus de maillot de bain. J'ai plus de speed, j'ai plus rien. Alors là, c'est la dèche. Hein. Là, c'est totalement du n'importe quoi. Alors, c'est pas grave. Attendez, on va récupérer. Voilà, le petit speed qui fait plaisir. Oh, j'avais oublié un dropper. Écoute, voilà, hein, écoute, il est jamais trop tard. Peut-être qu'il a spawné après, je pense. Ok, hop, les petits 100 000. Voilà, qui font plaisir. Hein. Voilà, je suis à 244 000. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est assez énorme. Attendez, j'ai oublié mon maillot de bain. On va changer un petit peu. On va prendre un autre. On va prendre le flashy, là. On va prendre le flashy, là, le vert. On va prendre le verre, regardez. Hop. Alors, choose your water park. Alors, non. Je suis déjà dans mon water park. Je pense que c'est un bug. C'est possible que ce soit un bug, hein. Mais c'est pas grave. Tac. Voilà, on va aller ici. Alors, est-ce qu'on peut acheter. Vous savez quoi? On va acheter tout l'extérieur, hein, je pense. Hein. Ça sera mieux. Alors, là, on avait quoi d'autre? On avait le gravity. Ok. Là, on avait le gun. Alors, j'aurais pu utiliser. Attends, je l'utiliserai vers la fin. L'autre, là. Le monstre du Loch Ness. Ah voilà, c'est bon, ça s'est enlevé la bannière. Heureusement, j'ai eu peur, ça apparaissait comme ça tout le long de la vidéo, tu sais. Ok, ça c'est quoi ça? Je crois que c'était les murs, il me semble. Ah ouais, il y a plein de trucs là qui sont ajoutés. Ok, les petites routes. Oh, encore un stand. Ah, on peut jouer, on peut balancer des balls. Regardez, c'est les ballons. Ah non, c'est pour avoir, d'accord, c'est pour acheter des ballons. Ok, très bien. Oh, le tapis. Oh, génial. Ah ça, le tapis, c'est tellement pété. Voilà, avec ça on ira beaucoup plus vite. Voilà, la petite route. Ah par contre ça annule mon speed. Ça c'est pas cool. Non, ça c'est vraiment pas cool. Oh, il y a un truc à 50 Robux. Attends, on le prend. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, waouh, wow. Un rainbow gun. Regardez. Ah oui, effectivement, ouais, c'est le flingue arc-en-ciel quoi. Pourquoi pas? Et là ça c'est quoi? Oh, une fontaine. Oh, elle est tellement classe. J'ai pas oublié le gros plongeur, vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas oublié. Oh, les petites tables. Bah oui, on avait oublié ça pour pouvoir manger, bien sûr.
très important. Hein, ça donne de l'appétit, mon pote, de venir ici, faire les petites attractions aquatiques et de nager et tout. Oh, le petit burger qui fait plaisir. Alors, attendez, je vais grimper tout en haut du plongeoir. Voilà. C'est tellement pratique. Oh, le tube. Regardez ça, les gens. Attention, on y va. Comment j'y vais, d'ailleurs? Je peux y aller avec le tapis en haut parce que là, c'est totalement bugué. On peut y aller ou pas? Attends, mais c'est moi où il est bugué? On peut pas y aller? Mais c'est une blague! Mais c'est une blague! On peut pas aller dans le tube! Mais non! Est-ce que je peux essayer de rentrer avec ça? Mais non! Oh, la déception! La déception! Mais vous avez vu, j'ai bien fait de le prendre comme ça. Je vous conseille de ne pas prendre le tube! On ne peut pas rentrer dedans, quoi! Oh, la blague! Oh, c'est tellement dommage! En plus, je l'ai payé en Robux, celui-là, donc... Ah ouais, là, c'est l'arnaque, hein. Franchement, l'arnaque totale. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai d'autres trucs. C'est quoi, ça? Ouh, encore un plongeoir. Ok. Mais on peut sauter où, comme ça? Ah, ça va dans la fontaine, tu penses? Ah, yes! Ça, je peux pas le prendre. Ça coûte 500. Tu rigoles ou quoi? Ça coûte 500! J'ai largement assez. Alors, attendez. Hop. On va reprendre de l'argent. Bam! Voilà, ça fait plaisir. Hop, directement, on va grimper tout en haut. Vous allez voir, du plongeoir. Et ça, on va le prendre. Yes! Et ça, c'est bon, je peux l'acheter aussi. Oh, oh, tellement stylé, regardez. Bon, par contre, c'est extrêmement lent, hein. On va pas se mentir. Bon, bah, sinon, vous, ça va? Hein? Écoutez, moi, je vais très bien. Oh, attention! Oh, il était génial sur le bonbon, celui-là. Waouh! Il était tellement cool. Franchement, j'aurais jamais cru qu'il allait nous mener jusqu'ici, hein, honnêtement, mais... tellement stylé, quoi. Il est vraiment, vraiment stylé. Ok, alors attention, est-ce qu'on peut acheter des trucs ou pas encore ici? Attends, normalement, la cascade, là, ça va rendre bien maintenant. Ah ouais, non, il faut que j'achète... les murs. Bah oui, sans le mur, ça va pas aller, regardez. Ah, yes! Les fenêtres. On va acheter également le toit, qui fait plaisir. Ah, et ça sera ici, regardez, le méga tube en or. Oh yes, génial. Et de l'autre côté, on peut acheter des trucs ou pas? Je crois pas en plus, hein. Il me semble que non. Ah, je sais pas, il y a des fenêtres. Il y a un plafond avec des fenêtres. D'accord, ok. Voilà, bon, on peut sortir par là, ça c'est cool. Regardez. Oh, tellement cool. Ah voilà, ça rend bien comme ça. Et ça, c'est quoi ça? Water size stand. Oh, bah attendez, je vais récupérer de l'argent. Je peux récupérer avec le tapis. Yes, ça c'est cool. Et là, du coup, regardez. Oh, c'est tellement cool. Oh yes. On peut encore acheter un plongeoir. Ah, par contre, je pense qu'il va coûter un peu cher. Ah, attendez, je monte au tapis, hein. C'est plus rapide. Ça coûte combien? 85 000. Et ça, c'est les barrières. Ah! Ah oui, effectivement, j'ai pas encore assez. Bon, bah, les amis, bah, écoutez, je pense que c'est bon. Regardez, on a maintenant 420 000 dollars. Autant vous dire que là, je pense qu'on va pouvoir terminer notre parc aquatique. Ah, du coup, là, attendez, je voulais acheter. Oui, c'est vrai, déjà, le fameux toboggan à l'extérieur qui était, regardez, juste ici. Voilà, 85 000 de cash. Et regardez. Oh, waouh! Il est tellement stylé. Regardez ça. Pour une fois que je me filme de l'extérieur, regardez, oh, attention, ça tourne! Oh là là, c'est un délire! Et attention, c'est la plombe! Tellement cool! Oh là là, mais regardez ce parc aquatique! Oh, il déchire, franchement, oh, il est tellement classe! Tellement cool! Ok, du coup, direction, une fois de plus, l'intérieur. Et bah écoutez, du parc aquatique au niveau du bâtiment. Et on va pouvoir prendre justement. Alors, non, c'était un truc de Robux en bas, hein, bien sûr, vous avez vu. Et là, regardez, à 450 000, le toboggan en or! Il paraît qu'il y a très peu de personnes qui l'ont fait. Hein? Attends, ça c'est quoi? Le bateau en or? Ah, 50 000. Heureusement, j'avais pile assez, hein, vraiment pile, hein, regardez, il me reste que 5 000. Fais un peu. Oh! C'est une bouée en or! Allez, vas-y, je suis un fou, je le fais à l'envers. Oh, mais c'est tellement cool! Du coup, on va atterrir dans la fontaine. Oh, attention! La déception. La déception ultime. Attention! Oh là là! Ah oui, d'accord. On flotte carrément sur la... Ok. D'accord, ok. On flotte sur la fontaine. Bon, mais écoute, pourquoi pas. J'ai envie de te le dire. Bon, c'est un peu l'arnaque, une fois de plus. Mais bon, à mon avis, peut-être que... Ah, j'ai compris. Je pense qu'à mon avis, en fait, la bouée devait revenir tout en haut. Enfin, je pense, hein, parce que là, là, c'est la déception. Imagine, tu payes 50 euros le ticket, hein, voilà. Hein. Franchement, voilà, quoi. Voilà l'attraction, quoi. Mais bon, oh, attends, il y avait un autre truc. Ah, attends, il y avait un autre truc. Marcel, fais voir un petit peu, c'était quoi? C'était quoi, ça? C'était un Wolf Wage. Oh, attendez.
On va récupérer 100 000. Voilà, je vais tellement vite avec ce tapis, c'est abusé, hein, franchement. Et c'est quoi ce truc-là? T'as un petit peu? Oh, c'est un truc visible de l'extérieur, apparemment. Ah, j'ai compris les gens, en fait. Bon, c'était rien de spécial, c'était juste les coins, en fait, du toit. Regardez, c'était cette partie de toiture. Et ben voilà, ben écoutez, je pense que, les amis, on peut le dire, on a maintenant construit un des meilleurs parcs aquatiques au monde. Non, mais regardez ça, quoi. Il est beaucoup trop stylé, franchement. Il est génial. Et bah écoutez, les amis, on va du coup s'arrêter là pour ce nouveau tycoon. J'espère en tout cas que ça vous a extrêmement plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu. Ça me ferait bien sûr extrêmement plaisir si vous abonnez bien sûr à la chaîne. C'était Mojumper. Et je vous dis du coup à très bientôt, les amis. Ciao.